Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 45e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, et ben il y avait des problèmes du côté de Dirim, il y avait genre énormément de Gugus qui voulaient piller mon village, et du coup ils vont me le piller je pense, sauf si je les en empêche en faisant ça. Non, je vais me faire choper. Là ce qui me fait chier c'est que bon, 94 là... Là, ça fait 86 plus 69, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même très 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 beaucoup. Donc bon, je pense que Emiri va se faire piller. Ouais, je sais que c'est en train de se faire piller. Donc voilà, problème. J'ai des gros problèmes de. Et oh, voilà. J'ai des très très gros problèmes avec mes fiefs. Donc là, Emirim, hop, ça va partir. Dommage, parce que j'ai trois fiefs. Ouais. Donc, il faudrait que je capture un château. Mais lequel? Parce que le problème, c'est que les châteaux du sultanat des Saranides, c'est-à-dire ceux où on se bat pour l'instant, ils sont, comment dire, bien protégés, parce que surtout, bien placés, quoi. On va essayer d'aller là-bas. Kargit Kanat contre Royaume Evaigir. Mais Kargit Kanat, ils vont plus avoir grand-chose. Hein. Il faut encore qu'on monte de 6 unités pour atteindre les 100. Ouais, je sais. À la limite, il y a combien de personnes à Almar? 65? Seriously? Oh, ça me tenterait tellement de capturer la ville à moi tout seul. Assiéger le bourg. Six heures. Ah, attendez, il y avait un bip. Excusez-moi, il y a eu un gros bug. Le jeu a crashé parce que j'avais tout le deck derrière. J'ai fait un tap. Bon, voilà, ça a crashé. Et du coup, en fait, je sais pas, j'ai repris. Je ne bougeais plus. Et le temps défilait. Du coup, je me suis pris un chevalier dans la gueule. 94 contre 90. Non, pas ça. 94 contre 90. Donc là, ça va être un poil chaud. Il faudrait vite que je me carapate après parce qu'il y a beaucoup de monde. T'es qui toi en fait? Est-ce que t'es le Gugus en question? Aïe. Ah ouais, ils sont nombreux. 29 contre 34, ils ont plus de tactique que moi alors que je crois que j'avais un mec en tactique très très bon. Fantastique, on va dire. Ah oui, c'est des unités swadiennes. Ah oui, c'est peut-être un ancien membre de Aswadi qui a rejoint le... Qui a rejoint les... Ah! Chasseur nordique. Oulala. Ça, c'est vraiment la mauvaise idée quand il me bloque. Surtout que c'est totalement pas logique, quoi. Je devrais rouler sur l'homme. Puis voilà. Le mec à cheval, là, il me saoule. Je subis pas mal de dégâts. Ha. Je
Attendez. Allez, chargez. Faut que j'ai... Voilà. 191 en arme à deux mains, quoi. Bon, c'est ce qui s'appelle quand même bien géré. Là, par contre, tu vas te faire buter. Ah, mais c'est bon, les addits. Ah, c'est dommage, je pense que j'aurais pu assiéger la ville et essayer de la prendre, ça aurait été pas mal. De nouveaux ennemis sont arrivés. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais rien? Alors, on va aller gérer les nouveaux ennemis. Il y a l'air d'avoir une unité à cheval. Aïe! 10 points de dégâts! Mais les mecs, vous m'avez envoyé quoi sur la gueule? Éliminer mes unités. Tenez la position. Remettez-vous ensemble. J'ai peur que vous fassiez des grosses conneries. Oh, je l'ai même pas tué avec 41 points de dégâts, quoi. Lui non plus. Mais oh, c'est des warriors! Ok, nouveaux ennemis. Ah, dommage. Faut qu'ils se crachent un peu sur nos défenses. Ok, bon bah c'est pas mal en fait. Bon là on veut les faire charger parce que il reste plus que des unités. Ou presque que des unités qui tirent des flèches. Du coup on va se retirer comme des lapins. Oh il s'est baissé. Quoi? Oh mais oh il a aucune défense. Ouais je fais plus de dégâts quand même, 70 points de dégâts. Quelques pertes quand même. Faut que je monte de niveau. Encore. Donc autant gagner de l'XP. Hein. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai perdu quelques unités quand même. 10 points de dégâts, mais oh, et j'ai pris quoi? Viens là. T'as perdu combien? 6 morts. Pff. Bon, 87 contre 4. Bon, on va y arriver. Voilà. 96. 42, 16. Bon, voilà. Là, on est bien. On est bien. Par contre, ça m'énerve de ne pas avoir pu assiéger la cité. Et là, pour le coup, je vais avoir. Comment dire? Je vais hésiter un peu à assiéger la cité. Ça commence bien, je subis 6 points de dégâts. Oh! Je suis censé avoir une super armure. Là, pour l'instant, je me fais. Déchiré. Voilà. Il reste un. GG mec. Deux blessés. Ah, il y en avait deux.
capturer tout ce beau monde. Alors, là, il y a des mecs bien... de bien bon niveau. On va les prendre. Capacité du groupe atteinte. Dommage. Dommage, dommage. Ah ouais, là, la nourriture qui part super vite, faudra se méfier. Alors, attendez. 31, 25, il me fuit. On va améliorer les unités. Toc. Pierre des mers qu'on peut augmenter en recrue nordique. D'accord. Ok. Toc. Amélioration. Amélioration. On est bien. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on peut encore essayer d'assiéger? 2 heures. Allez, go. On essaye? Allez, on essaye, de toute façon. On perd rien. Attendez. Ah non, on peut charger, en fait. Ah, mais j'ai plus de vie, moi. J'ai plus de vie, j'avais pas fait gaffe. Merde. 30 contre 38. Voilà. Athletic s'est fait assommer. Allez, poussez-vous, je veux me battre. Aïe, je n'arrive pas à taper. Il y a trop d'alliés. Mais laissez-moi taper, bordel de couille. J'aime bien, on inflige que dalle, mais aussi on tape que dalle. Vous êtes gentil d'attendre comme ça. Vous êtes très gentil. Alors moi je suis très lourd par contre. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ça arrive par là, ça arrive par là, ça arrive par là. Méfiance. Sur quoi j'ai... Allez! Voilà. Il en reste. Attention, faites tomber pas les mecs. Il en reste. Il en reste un. J'ai eu 7 morts seulement. Pas mal. GG les mecs. Allez. Eh, on aura pris une ville tout seul. 7 tués, 10 blessés. Bon. Du coup, on peut recruter certains prisonniers. Ce qui est très très bien, en fait. Ah ouais, en plus, je suis passé à 95. On va pouvoir capturer des bonhommes. Genre j'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai obtenu que dalle en fait. Pas de garnison. Ah merde. Eh mais du coup, j'ai la grande ville ou le château. Voilà, ça y est, je l'ai. Je l'ai cette grande ville ou château. C'est super, c'est super. En plus c'est du monde. Rançonneur, tiens je... te demander ce que tu... Voilà, ce que tu achètes tout ce bordel. C'est franchement super. Oula, attendez 2 secondes. Bon, bah décidément, cet épisode aurait été pas mal entrecoupé. Alors, on a des unités à faire monter. Je peux pas les améliorer?
Pourquoi donc? Ah d'accord, parce que j'étais un rançonneur, oui, c'est vrai. Ah, attendez. Du coup, je possède le boule d'Anmar, le bourg de Pechny. Et tous mes héros sont blessés correctement. Donc, c'est-à-dire que leurs améliorations ne fonctionnent plus. Ah, j'avais encore des prisonniers à vendre. Allez, taverne. T'as pas bougé, l'enseigneur? T'as pas bougé. Toc. Nizar, Deshavi. D'accord, ouais, j'ai juste plus de place. D'accord, lui aussi, c'est pareil. Poser une garnison ici, mais le problème c'est que Almar n'est pas encore à moi, d'après ce que j'ai compris. Almar n'est pas encore à moi et tout ce que je peux faire, c'est essayer de le protéger. On va attendre ici un certain temps. Oh mon Dieu! Ils sont beaucoup. Ils sont vraiment beaucoup. Alors attendez. Il y a 40, 49, 31, 20, 66, 18, 29. Ah, en fait, c'est possible qu'on puisse gérer. Ah non, mais non, il n'y a pas de garnison. Il n'y a pas de garnison, on est 95. Alors attendez, on va juste faire un petit peu le décompte. 40, 49. Donc là, on en a déjà. On en a déjà 89, avec 66, il y a un 18, il n'y a pas aussi un truc. Il y a un 28, 28, 25, 29, donc on a un peu plus de 70, plus 18, bon voilà, ça fait 100. Ici on a 200, ouais non, il y a 200. Il y a personne pour venir m'aider à récupérer Almar, hein? Non, personne? Ou je me tire? C'est pas à moi, Almar. Je l'ai récupéré, mais c'est pas à moi. Mais je peux pas le gérer tout seul, les mecs. Je peux pas le gérer tout seul. Ils vont le récupérer. Peut toujours essayer, hein. Qu'est-ce que j'y perds? Qu'est-ce que j'y perds? Ça, c'est la question. Soit je reste ici et on essaye de défendre contre 250 Gugus avec 95. Ce qui veut dire qu'il faut en tuer environ 2,5 par personne. C'est faisable, sachant qu'on est en défense. Mais c'est chaud. Après, on a des super unités. J'hésite. Ça va être un peu le moment de la galère. Bon allez, on va essayer de le garder. Sauf si bien sûr je vois arriver un 200 et des patates. Je me taille. Une nouvelle campagne militaire. Je suis occupé! Attendez, je veux juste voir ce qui arrive. Le 66 se barre. Qui est plutôt pas mal. On est d'accord, il n'y a pas de groupe d'ennemis supérieur à 50 là ici. Donc c'est faisable. Ah, il reste 5 secondes avant la fin d'épisode. On va donc arrêter là, voilà la fin. On va arrêter là cet épisode. Ça va être un coup de suspense. On va voir si j'arrive à défendre mon. Ma grande ville durement gagnée dans le prochain épisode. J'espère que oui, j'espère que oui. On verra bien. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde!